Nous faisions un changement au programme pour constater alors que ce changement donnait de mauvaises performances sociales. Nous supposions beaucoup de choses sur nos clients qui se sont révélées être fausses. Les IMF du monde entier aident des millions de personnes à améliorer la vie de leur famille. Mais leurs programmes sont-ils aussi efficaces que possible? Touchons-nous ce que nous voulons atteindre? Livrons-nous les bons services? Les clients utilisent-ils et profitent-ils de nos services? Beaucoup d'organisations peuvent trop se concentrer chaque jour sur leur pérennité financière ou la manière d'augmenter leur rendement. Elles ne se demandent pas si les clients sortent de la pauvreté. Les IMF constatent qu'une bonne gestion des performances exige une vision financière et sociale. Nous avons passé tant de temps dans ce secteur à bien comprendre les performances et les rapports financiers que nous n'avons pas passé assez de temps sur les performances sociales. Ne supposons pas simplement que cela se produit et que, parce que les gens remboursent leurs emprunts, cela signifie que vous travaillez bien et que vous n'avez pas réellement besoin de voir comment. Des centaines d'IMF ont développé des stratégies pour atteindre des buts sociaux clairs et obtenir des résultats financiers et sociaux pour chacune de leurs décisions. Deux IMF partagent leur expérience. On n'avait pas assez à manger, ni même de combustible pour cuisiner. Maintenant, il ne me manque rien. Je suis chef de ma propre entreprise. SEFE, The Small Enterprise Foundation, la fondation des petites entreprises, offre des prêts et de l'épargne à plus de 50 000 femmes en Afrique du Sud rurale. SEFE est financièrement viable et a reçu une notation sociale alpha par Macro Credit Ratings International. SEFE cible les clients qui vivent en dessous de la moitié du seuil de pauvreté. 99% sont des femmes. Pour SEFE, créer des opportunités commence par connaître ses clients. Ses agents de terrain ou animateurs de développement sont chacun responsables d'environ 300 femmes. Je me vois comme leader de ces femmes. SEFE m'a amené ici pour travailler avec vous. Je suis SEFE. L'une des choses dont ils parlent est que leur personnel doit avoir le cerveau d'un banquier et le cœur d'un travailleur social. Et cela est la pensée commune à tous les membres de l'organisation. Ce que j'aime le plus, c'est travailler avec les femmes. Je la vois comme ma propre fille. J'ai utilisé le prêt en premier pour planter du riz. Puis j'ai acheté une vache, ensuite j'ai acheté une moto. La moto est pour mon fils qui va travailler à Siem Reap. AMK, encore Microfinance Cambodia, offre des prêts et de l'épargne à plus de 50 000 Cambodgiens ruraux. AMK est pérenne avec une croissance de 50% par an et a reçu une notation alpha de Macro Credit Ratings International. Ce qui rend AMK différente au Cambodge est notre objectif sur la pauvreté rurale. AMK va où les autres ONG ne vont pas, où les gens n'ont pas d'autres opportunités de crédit. Notre défi est de pouvoir le faire de façon rentable. Comme chez SEFE, les agents de clientèle d'AMK sont le visage humain de l'organisation. Même si nos prêts sont plus petits que ceux des autres institutions, ils offrent beaucoup de possibilités. Pour croître rapidement, AMK demande à chaque agent de servir de nombreux clients, environ 600. Son défi est de répondre aux besoins de tous ses clients. Pour y répondre, AMK a développé une aide sur le terrain. Les présidents des banques villageoises. Si quelqu'un a besoin d'un prêt, j'informe AMK et j'aide les gens du village à avoir une entreprise. Donc, dans un sens, nous avons rapproché non seulement la prise de décision, mais aussi la résolution des problèmes à ce niveau. Nos agents peuvent être beaucoup plus efficaces et cela nous permet ainsi d'atteindre plus de clients. Avec ces prêts, vous pouvez gagner plus. Nous avons gagné deux fois plus.
mais juste assez pour manger. Oui, je m'inquiète. Je m'inquiète. Que si je tombe malade, personne ne nourra mes enfants. Les organisations qui gèrent leur performance sociale peuvent agir rapidement quand les choses tournent mal. L'une des choses que nous avons appris est la manière dont les ménages ruraux sont vulnérables face à tout type de crise. Vous pouvez donner un prêt à quelqu'un dont l'activité marche très bien, mais il suffit d'un choc, d'une maladie, d'un décès, et tout s'écroulera vite. Il y a toujours un risque que les politiques d'une IMF peuvent rendre ses clients encore plus vulnérables. Les prêts de la microfinance sont des dettes. Et si vous êtes endetté, vous êtes vulnérable. Quand ça va mal, que faisons-nous? Comment être flexible dans les remboursements? Peut-on avoir des produits qui aideront les gens face aux problèmes, comme l'assurance? CEF aide les clients désespérés de plusieurs façons. Elle les encourage à épargner pour se protéger contre les périodes difficiles. Je leur parle de l'épargne. J'explique qu'elles ne le font pas pour CEF, mais pour elles-mêmes. Si les comptes d'épargne ou l'entreprise indiquent qu'une cliente court des risques, l'animateur de développement lui rend visite plus souvent. J'essaie de savoir ce qui ne va pas. Je peux apprendre qu'elle s'est enfuie, que parfois son mari la maltraite. Je m'assure que le centre est mis au courant. J'essaie d'aider à résoudre le problème. Yuyu m'a beaucoup aidée. Elle nous encourage tout le temps. Comme chez CEF, EMK encourage ses clients à épargner. Elle propose aussi des prêts d'urgence jusqu'à 100 $ pour prévenir les crises. Un membre avait besoin d'aide parce que ses enfants étaient malades. Ses enfants et son mari avaient la dengue. Oui, mes deux enfants et mon mari qui sont guéris maintenant, j'ai utilisé l'argent pour les soigner. Et je l'ai déjà remboursé. Je ne sais pas où obtenir un tel prêt. Il est essentiel de protéger les clients quand ils ont des problèmes. Les IMF en ont aussi. Si vous n'évaluez pas vraiment comment vont vos clients, vous risquez de perdre beaucoup de clients et de développer une mauvaise réputation. Vous courez le risque de perdre de l'argent. Ne pas se concentrer sur les buts sociaux de la microfinance peut compromettre la réputation de tout ce secteur. Nous entendons les gens dire que cet organisme exploite les pauvres. Beaucoup disent que le taux d'intérêt est trop élevé. Jusqu'à présent, la seule réponse a été « Notre mission est de réduire la pauvreté et d'être au service de beaucoup de gens. » Mais cela ne suffit pas. Si nous ne pouvons pas mesurer les résultats et exactement ce que nous coûtent les services, alors nous aurons de gros problèmes à l'avenir. L'expérience montre que les performances sociales et financières sont liées entre elles. C'est l'équilibre des deux qui est logique. La microfinance ne sert à rien pour les clients qui ne nous sommes pas assez pérennes pour rester. En même temps, elle ne leur sert à rien si nous ne pouvons pas voir ce dont ils ont besoin et y répondre. Nous avons besoin de solides performances financières pour pouvoir mobiliser les capitaux nécessaires pour atteindre de plus en plus de gens. La finance est l'outil pour atteindre l'objectif social. Gérer les performances sociales ne signifie pas sacrifier les performances financières. Elles ne sont pas un remplacement. Il est censé d'avoir de bonnes performances sociales, car vous connaissez mieux vos clients. Des études substantielles suggèrent que les institutions de tout genre qui gèrent stratégiquement leurs performances sociales ont une meilleure performance que celles qui ne le font pas. Cela contribue aussi à bâtir un secteur plus transparent et responsable. Gérer les performances sociales aide les institutions à se concentrer sur leur propre performance. De même, cela leur permet de communiquer leur propre performance et objectif à une plus grande audience. Les principaux investisseurs intéressés par l'expansion de la microfinance sont socialement responsables. Ils veulent voir que les institutions qu'ils aident font une différence. Je pense que nous verrons plus d'institutions qui gèrent les performances sociales comme un moyen de se distinguer de la concurrence. Gérer les performances sociales est bénéfique. Mais que faut-il
La première étape est d'être clair dans vos objectifs. Et comment? Vous devez tout faire avec un but précis. Est-ce que je touche les gens que je veux atteindre? Les services fournis ont-ils l'impact souhaité? Sont-ils livrés correctement? La gamme des objectifs est très large. Gérer les performances sociales peut être utile, indépendamment de votre mission sociale. Cela n'est pas exclusif à la pauvreté ou à l'habilitation des femmes. En fait, c'est beaucoup plus large. Comme Seth l'a constaté, il n'est pas facile d'atteindre ses objectifs. Seth a démarré avec l'objectif d'atteindre les très pauvres. Si nous allions dans les zones très défavorisées, seuls les très pauvres viendraient pour ces très petits prêts. Mais après 2 ans, nous avons vu que des personnes opéraient des entreprises encore plus petites que celles de nos clients. Là, nous nous sommes demandé si nous touchions les très pauvres. Nous avons réalisé que non. Donc, développons et essayons une méthodologie de ciblage et nous verrons ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les plus pauvres viennent vers vous. Parfois, ils doutent d'eux-mêmes et ne croient pas mériter un prêt. Donc, vous devez vraiment aller vers eux. Nous avons créé des agences entièrement nouvelles pour tester cette nouvelle méthodologie. Un nouveau programme est né. Le programme qui sert les plus pauvres a toujours eu un meilleur taux de remboursement. Et cela depuis 1997. Une fois les buts sociaux définis, il faut collecter des informations fiables pour poursuivre ses progrès vers ses buts. Si vous avez une mission sociale, mesurez et examinez-la. Pensez aux modifications pouvant influencer vos résultats sociaux. CEF et EMK s'appuient sur le personnel de terrain pour collecter les informations de base. Après chaque cycle de prêt, nos animateurs de développement ont un entretien. Je préfère plutôt l'appeler une conversation avec le client pour savoir comment leur vie progresse. C'est une enquête qui suit toutes les informations basiques d'un ménage. On examine leur consommation de nourriture en remplacement des revenus, comment ils gagnent leur vie et comment cela change dans le temps. Cela est censé aider le client à évaluer sa progression. Au tout début, Seth a appris à utiliser les informations du terrain comme un signal d'alarme pour les problèmes qui doivent être abordés. En 1994, l'organisation n'avançait pas malgré le travail du personnel. 50% de nos clients partaient après la fin de leur prêt. Le départ des clients est souvent un indicateur de performance financière. Mais dans la situation de CEF, les gens partent principalement parce qu'ils ont des problèmes. Chaque mois, nous produisons un rapport sur nos taux de départ, répartis par agence et par zone. Donc, vous pouvez voir la performance de chaque membre du personnel. Donc, cela fait partie des motivations individuelles du personnel, des managers et de toute l'organisation. Maintenant, nous valorisons plus les motivations. Les gens peuvent gagner plus et être récompensés plus souvent s'ils gardent plus de clients. Gérer les performances sociales signifie aussi aligner l'organisation vers ses buts sociaux. Si la gestion des performances sociales n'est pas systématisée au sein d'une organisation, dans son flux quotidien, ce sera très onéreux et très difficile et risquera d'être mise à l'écart de l'institution. AMK a été la première institution à établir dans son conseil d'administration un comité dédié aux performances sociales. Elle le considère comme la contrebalance du côté financier. Le comité des performances sociales guide le conseil d'administration. L'idée est que ces personnes peuvent trier toutes ces informations afin de les rendre plus accessibles pour le conseil, de résumer quels sont les principaux points des performances sociales chez AMK. Un personnel dévoué et informé est essentiel pour gérer efficacement les performances sociales. La partie difficile est de s'assurer que chaque membre du personnel soit bien informé et synchronisé avec la mission d'AMK. Parce qu'AMK progresse très rapidement, il y a de nouveaux membres chaque mois. Nous consacrons un total de 10 jours à former le nouveau personnel. De plus, nous avons des séances mensuelles de formation. Donc, si les managers ou les cadres d'agents constatent des lacunes chez le personnel,
Ils ont besoin de les former immédiatement. En effet, nous aurons bientôt notre séminaire annuel du personnel, qui sera un moment important pour accentuer notre mission et pour rappeler au personnel ce que nous sommes et pourquoi MK existe. L'une des choses les plus efficaces à réaliser est de mettre en place des systèmes très simples pour que votre personnel pense à chaque instant aux performances sociales. Nos animateurs de développement s'asseyent avec les clients avant chaque cycle de prêt et on leur demande « Comment va votre alimentation ? Comment va votre famille ?» Ils assimilent pleinement que leur travail est d'améliorer la vie des gens. J'ai de très bons rapports avec mes clients. Parfois, ils m'invitent à 4 ou 5 événements différents dans une même journée. Il est important que le personnel soit bien traité. S'il est maltraité, il aura du ressentiment. Il sapera lentement la mission de l'organisation. S'il est traité comme un être humain, il traitera les autres comme tel. Chaque année, nous faisons une enquête de satisfaction du personnel pour entendre quels sont les problèmes et les domaines de mécontentement. Donc, nous ne sommes pas une organisation qui aide les pauvres, mais qui maltraite son personnel, et je pense que cela est démontré par notre faible taux de mobilité du personnel. Gérer efficacement les performances signifie faire l'équilibre entre les prises de décisions sociales et financières dans toute l'institution. Au niveau de base, il faut prendre conscience des buts sociaux de l'organisation et veiller à tous les niveaux de l'organisation que les gens pensent à ces buts lorsqu'ils prennent des décisions. Cela peut être particulièrement important pour guider le développement des produits. L'hypothèse était qu'un client agriculteur utiliserait son prêt pour acheter de l'engrais uniquement à un mois particulier de l'année parce que la récolte a lieu une fois par an. Quand nous avons commencé à analyser les données, nous avons vu qu'ils utilisaient leur prêt à plusieurs fins. Donc, dès que vous commencez à mieux voir qui est votre client, vous réalisez que l'organisation que vous avez besoin de construire nécessite des systèmes ayant des produits flexibles pour les clients. Gérer les performances sociales permet aussi à une organisation d'évaluer avec soin les nouvelles politiques avant leur mise en œuvre. Avant de modifier ce que nous faisons d'abord un projet pilote et nous examinons très attentivement comment ce changement touchera les clients. AMK a mené des enquêtes de satisfaction auprès des clients et leur message fut que les prêts étaient trop bas. AMK n'a pas simplement compris qu'ils avaient besoin de prêts plus élevés. Ils se sont d'abord demandé ce qui provient de ce message. Ce message venait pour la plupart des moins pauvres. Les très pauvres, eux, ne se plaignaient pas du montant des prêts. Un prêt est une dette. Et si nous donnons à cette personne très pauvre trop de dette, alors honte à nous. À moins de réfléchir très prudemment à ce qu'elles écoutent, les organisations risquent d'adapter leurs services aux clients les plus forts et de s'éloigner progressivement de leurs clients cibles. Gérer les performances sociales n'est pas en soi une destination. C'est une route qui mène à l'aboutissement de la mission. Il est préférable de commencer petit et de rester simple. J'ai souvent remarqué que les organisations collectent trop d'informations. Une manière de commencer est de poser une question. Par exemple, touchons-nous ce que nous voulons atteindre? Ensuite, peut-être peut-on introduire une deuxième question. Nos services sont-ils appropriés pour ce que nous voulons servir? Une étape en suit une autre. Les organisations se renforcent. Les investisseurs deviennent plus confiants et plus de clients sont touchés. C'est vraiment un processus évolutif. Nous avons fait de très bonnes choses. Je pense que nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons fait pour aider les gens, pour aider un grand nombre de personnes. Je suis fier d'atteindre les très pauvres et de voir des changements importants dans leur vie. Je peux voir les changements. Un nouvel emprunteur est différent des membres plus anciens. Cela me rend heureuse de voir mes clients améliorer leur vie et de voir leurs enfants recevoir plus d'éducation. Mon entreprise est bien mieux qu'avant. Je gagne 3 fois plus. Je suis reconnaissante d'avoir cette opportunité pour élever mes enfants. J'ai fait un long chemin. Je prie Dieu d'ajouter plusieurs jours à ma vie, car désormais ma vie est meilleure.